Meghan marque l'épaule dénudée et robe blanche, apparition sublime malgré les scandales. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont fait une nouvelle apparition très glamour à New York ce 6 décembre 2022. Le couple de Sussex avait rendez-vous au Ripple Fop Gala, le gala de la vague de l'espoir. Organisé au sein de la Fondation des droits de l'homme Robert F. Kennedy, où il a reçu le prix de la lutte contre le racisme. Malgré la pluie, la duchesse a affiché un immense sourire en sortant de sa voiture. Une venue qui précède de quelques jours la diffusion de leur documentaire événement sur Netflix. Vêtue d'une robe blanche échancrée Louis Vuitton laissant ses épaules dénudées. La mère d'Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, était littéralement sublime. Une tenue que les médias britanniques n'ont pas tardé à mettre en parallèle avec celle que sa belle-sœur. La princesse de Galles Kate avait choisi lors de son récent séjour à Boston aux États-Unis. Verte flashy et laissant également voir ses épaules signées Solas London. Stylo diva place holdée à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum 8 990px, div. A place holdée à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Durant cette soirée, Harry et Meghan ont accepté cette récompense antiraciste pour honorer leur engagement contre ce mal qui ronge notre société et favoriser l'inclusion de tout un chacun. Difficile de ne pas penser au scandale qui vient de frapper la couronne britannique que le duc et la duchesse ont fui en 2020. Où la marraine de William a tenu des propos choquants en interrogeant de façon appuyée les origines d'une invitée d'une réception. Une chose est sûre, en Amérique, les amoureux semblent très soutenus, mis à part les démissions inattendues de deux collaboratrices. Ce qui tranche avec leur position délicate en Grande-Bretagne lorsqu'ils se sont rendus aux funérailles d'Elizabeth II au mois de septembre dernier. Alors que le documentaire promet de ne pas épargner la famille royale, le roi Charles III, la reine consort Camilla, le prince héritier William et sa femme Kate veulent se montrer plus soudés que jamais. En raison du protocole et de leur statut, ils ne peuvent réagir librement à chaque attaque de Meghan et Harry outre-Atlantique. Ils utilisent l'union pour afficher leur résistance. C'est ainsi qu'ils assisteront tous ensemble à une messe au service de chants de Noël ensemble à Noël à l'abbaye de Westminster le 15 décembre.